sont soit dans un platane, soit dans un talus. Attends, quand tu n'es fan de Jean-Guy. Tu n'es pas fait. 3, 4, 1, 4. 1, 2, 3, 4. Nous la Tiffany. Non, non, Jean-Guy. Parce qu'on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas non plus l'être en toi. Mais non, parce qu'on ne choisit pas ses parents. Mais qui ça? Mais sa grand-mère. Salut. Non, on y va pas. Oh, oh non, mais c'est pas humain, ça. C'est toi? Non. Oh non. Putain, mais c'est pas humain, c'est toi, ça. Oh, pas si fort. Non. Oh non. Attends, parce que... Oh non. Oh. Oui. Je suis dans la merde, il faut que tu m'aides. Ouais, ben moi aussi, je... Il vient d'appeler, là. Ah non. Vous rêvez, Hervé. Non, non, il est absent. Ah oui, oui, Jean-Guy, j'arrive. Mais attends, mais je connais ce truc, fais voir. Attends, ça m'a coûté assez cher, hein. Ah, tes conneries. Exagère. 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 Dis donc, Bibi, je suis désolé de te le dire, mais c'était pas terrible, hein, midi. Il y a des bruits de suisse sur le bouche, là, qui me tue. Mais alors, c'est toi qui l'es fait. Ouais, c'est moi, ouais, pas aussi, j'en ai fait. Genre à l'aise, tu sais, comme à la maison. Ah bah ouais, chez moi, ici. Dis donc, Bibi, je suis désolé de te le dire, mais tu baisses, hein. Ce midi, c'était pas terrible. Moi, je vais pas faire le au début. Si, non, si, je le fais pas. Si, c'est vachement bien. Bon, d'accord. Allez. On ferme les yeux, on se concentre. Deux secondes. Allez. On se met dans la situation. Toi, t'es saoulé, hein, quand même. Hein. Super concentration. Ah putain, j'arrive pas. Allez, on y va. On y retourne. Attends, j'avais prévenu, hein. Les rognons sauce grébiche réchauffés trop vite, c'est jamais très, très... Ouais, mais enfin, le jour où j'amène des potes, ça tombe mal, quoi. Ouais. Je suis ravi que ça te fasse rire. Je vais me refaire, là, je vais me refaire. Ah, mais j'ai pas fini de payer Oh, putain. Bon, ben, Riton, grouille-toi, on commence, là. Je peux jouer, moi, alors? Mais Doudou, c'est mes plaques à moi, ça. Bah, t'as qu'à les acheter à la table, à Hervé. Oh putain. A-R-V. A-R-V. Oh merde. Y'a un truc qui arrive. Attends, ça a mal démarré. Déjà, j'avais envie de me marrer. T'as oublié 23 lettres, mais c'est impeccable. C'est une très jolie leçon d'alphabet. A-R-V. Ah ben, Riton, grouille-toi, on va commencer, là. Je peux jouer, moi, alors? Mais non. Non, mais dis donc. Ça va bien maintenant, hein? Salut. Attends. Oh non. Oh non, c'est pas humain, c'est tout. Ah, laisse tomber, là. Oh putain. Oh, dès qu'il y a du caca, on rit comme des... Ah oui. Deux secondes. Je t'entends. Je t'entends, putain. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh là 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 là. Ouais, je suis pas aidé, hein. Oh putain. Allez. Salut. Ouais. Oh non. Oh non, c'est pas humain, c'est toi, ça. Oh bah quoi, je suis un peu nerveux en ce moment. Attends, ça fait une semaine que ça dure. Je suis un peu nerveux en ce moment, pas si fort. Je chie en spray, j'y peux rien, moi. Quoi? Allez. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce... J'ai pas vu, mais il veut... Mais j'ai voulu te mettre un pain. Tu l'as fait. La bêtise, elle est partie là-dessous. Hervé, tu connais la grande différence qu'il y a entre les States et ici? Non. Excuse-moi, putain. C'est que là-bas, aux States, les gens ne toussent pas. Oui, je délire, je sais pas ce qui se passe dans mon slip, c'est pas ma quéquette, hein. C'est celle-tu. Tu te branles, là? Oui. Tu peux prendre ta bite, s'il te plaît? Comme si elle était dans le coma! Je te dis que c'est une sorcière, cette fille! Elle m'a niqué ma libido!
Ça te fait rire? Enfoiré, bah. Comme si elle était dans le coma. Elle dort, là, sur le côté. Sur ses deux coussinets. Hervé! Et ma femme a froid, alors essaye d'en faire autant. Dis donc, hein, que tu veux que je te gagne, dis donc. Et ma femme a froid, alors essaye d'en faire mais autant. Mais Jean-Claude, comment tu me parles? Tu veux que je te pète? Bah bien sûr que je suis en forme, j'ai pas l'air en forme peut-être. T'as vu ce qui est tombé là? Oh là 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 là. Oh, c'est monstre, bois un coup, Yvan. Je te jure, ta salive, elle pèse 30 kilos là. Faut que je la vois, celle-là, quand même. Ça doit être impressionnant, ça doit être vraiment effrayant, non? Ah oui, en fait, c'est des surdoués, mais que dans un domaine. Exactement. Martin. Ouais, attention, si c'est touillette. Il faut... C'est tout dommage, c'est bizarre. Je te l'ai remise. C'est bien. Merde, putain, Bruno. Non, mais ça va mettre un peu d'animation dans la boîte, hein? Voilà. Allez. Chut, calme. Oh, putain. Bonjour. Oh merde, excusez-moi. Yvan. Quoi? Non, en fait, c'est pas Yvan, moi. Il est con. Ah ouais, mais il devrait savoir aussi, Sylvain, qu'il faut... Il faut pas... Voilà. Tout passe, tout lasse. Ouais, sauf la classe. Le Lions Club. Oula, t'as pas l'air fier, toi. Hein? T'as forcé sur le piment, ça picote un peu. Oula, t'as vu, là? Waouh, c'est maintenant qu'il se déclenche. Waouh! Oh, la bombe à retardement, ça, c'est dégueulasse. Oh, vache! Oh! Oh, ça pique les yeux, dis donc. Je pense, Annie, franchement, que tu exagères un geste bourru. Tout l'amour a tellement de visages. Est-ce que c'est Sylvain Muller? Est-ce que c'est ta mère? Toutes les femmes de ta vie. Eh, note, pia, pia, pia dans ton corps. Mais non, mais il est pas venu pour les enfants. En fait, ils espèrent trouver un village fortifié sous la glace. J'arrive pas, hein, rien. Laisse-moi, je le fais maintenant. Voilà. Ah, bon. C'est surtout qu'ils espèrent trouver un village fortifié sous la glaise. Tu sais que le sol est très très mou. C'était quasiment de la merde sur le dos. Il faut que j'y aille, il faut que j'évacue. C'est quasiment de la merde. Évacue la merde. Allez. Parce que le sol est très très mou sur le dos. Je suis désolé, c'est comme du pull, quoi. Là, allez, on y retourne. On y retourne, ça va nous saouler un moment et... Ça y est. Hein, ouais. Ouais. En fait, ils ont découvert un village fortifié sous la glaise. Mais tu sais que le sol... Allez, on y retourne. Non mais nous, on est dû pour tout tenir, après on va se sentir coupable. Là. Bah alors, il faut me faire venir ailleurs, là. Une grève sans préavis, il faut frapper... Ah. Oh, dis donc. Et tac, tiens dans ta gueule. Dis donc. C'est bête, on l'avait bien. Là. C'est vraiment bête, on l'avait vraiment bien. Oh, vas-y. C'est qui? Il voudrait s'arranger avec toi, comme ça, vous en bien sûr. Radar, anti-radar. Merde. Allez, reprends tes nerfs. Allez, on se regarde. On se regarde. Ouais. Moi, oh, c'est marrant, c'est... Moi, je veux de la soupe et des légumes. Comment? Attends, il se rire tout seul. Il s'est fait des... Oui, j'essaie de me concentrer. Ouais. Okay, on y va. Oh, ça fonctionne. Je veux du café. Jean-Louis pour la première fois. Oh non. Pas attends, toi. Travaillé par son propre camp. Il lui apprend rien, ce mec, c'est un nuisible. Il en fera que du nocif, c'est dans ses gènes. Ah,
J'ai passé une annonce en province Boum-Boum, j'ai trouvé un pigeon pour 14 heures, là, je dois aller le voir. Bien. Viens avec moi, mon truc, c'est pas la vente. Ah, mais moi, je peux pas, mon truc, c'est pas la vente. Non, j'ai pas d'argent. J'ai... Ah, Jean-Claude. Quoi? Jean-Claude. Ouais. J'ai passé une envoi, une oh là 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 là. Hein, j'ai passé une envoi, une annonce. Viens avec moi, c'est pas la vente mon truc. Oui, mais je c'est peux pas. C'est pas mon truc la vente. Oui. La vente c'est pas mon truc. Hein, et ben j'ai trouvé un client. Oui, un pigeon, un fils de pute. Bah oui, mais il faut que tu viennes avec moi parce que... Mais je peux pas, Hervé, moi je suis bloqué toute la journée avec Jean-Guy. Mais non, mais comment je fais, la déposette est en bas. Litouba. Mohamed Solo, Farouk Le Bouloc. Ah, Jean-Claude. Ah. De plus en plus court. Ah, Jean-Claude, je tombe sur toi. Mais comment je fais? J'ai la camionnette qui est en bas, là. J'ai tout déposé dedans. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une connerie? Non. Pourquoi? Non, mais j'ai regardé là et j'ai ri. Hein? Je peux pas, Hervé, je suis bloqué toute l'après-midi avec Jean-Guy. J'ai loué la camionnette, tout est en bas, ouais. Là, j'ai tout chargé dedans. Bah, fallait prévenir avant. Prévenir. Tu crois? Ah oui. Ah, je sais pas, il y a le ralenti. Il a dit pré... Non, non, j'ai pas dit. Hein. Il a dit prévenir. Non, non. Il a dit prévenir. T'as... Ah, paf! T'as dit prévenir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était Pauline? Quand il est dans mon dos et que je le vois pas, tu me fais ça. Ok. Oui, mais juste quand le gros con arrive, sinon ça sert à rien avant. Putain! Hervé. Je me suis mouché. C'est pas grave, Hervé, tu sais, chaque poisson son couvercle, mon petit gars. Tu bandes encore? Ça, je vais avoir du mal, mais bon, on va y arriver. Tu vas trouver ton petit pot, toi aussi, hein? C'est pas grave, mon petit gars. Allez, chaque poisson son couvercle, bah, tu verras. Tu trouveras. Tu es... J'ai du mal. Allez, c'est pas grave, Vévert, tu vas le trouver, ton petit pot. T'inquiète pas, hein? T'inquiète pas, là. Attends. Quoi? Tu trouveras ton petit pot, toi aussi. Ah, oh, putain. Ton petit pot, trouve autre chose. Ouais. Tu vas la trouver, l'âme sœur. Ouais. Hein? C'est pas grave, mon petit Vévert, tu trouveras bien un petit bout de... Enfin, tu trouveras... Un petit bout de viande. Ça va s'arranger, ça. Tu m'as ordure, tu demandes encore, là. Ah bah, j'ai mangé tous mes bonbons, moi. Mais merde. Et non, tu bandes encore, la ordure. Ah bah, j'ai mangé tous mes bonbons, hein. Oh merde. Bah attends, c'est carrément plus du double que tu m'avais annoncé il y a 8 jours, là, Hervé. Plus que du double. C'est plus que du double que ce que tu m'avais annoncé la dernière fois. C'est plus que du double que ce que tu m'avais annoncé. Ah non, tu peux pas faire ça, Chad. Ah bon? Et pourquoi? Vas-y, donne-moi une seule bonne raison. Voilà. Dans cette petite douette. Dans cette mallette, Hervé. Dans cette mallette. Dans cette méthode. Avec ce qu'il y a là-dedans, je peux aller en tôle, moi. Là-dedans, il y a la liste de tous les blaireaux et tous les potentiels... Tous les blaireaux, putain, merde! Pourquoi t'as été prendre un chauffeur-livreur, toi? Non, je l'ai pas fait? Et pourquoi t'as été prendre un chauffeur-livreur, toi? Non, tu vas pas m'emmerder, hein! Enfin, tu pouvais pas préciser que tu voulais pas un chiffreur-livreur? Enfin, c'est un chiffreur, un chiffreur. Un chiffreur. Pourquoi t'as été prendre un chauffeur-livreur, toi? Non, mais putain! Calme-toi, André! Pense pas! Aïe! Tu m'as pété le doigt! Ça y est. Tu m'as pété le doigt! Ah bah oui, tu me l'as pété en faisant ça comme ça là. Ah, tu m'as fait mal! Non, le jeu! Ah, André! Aïe! Toi, t'as le. Pointu.
Il a la tête. Mais aussi oublié de préciser qu'il n'insulte pas le patron. Qu'il le traite... Tu m'agaces, t'en tue, je te pisse, elle a rien à voir. Oh, mais dis-le. Pour conduire le patron. Bah, c'est vrai, ça. Je t'en tue, PD. Non, t'es parti trop tôt. Eh, t'as vu comment je t'ai niqué trois fois, j'ai dit chauffeur-livreur. Qu'il n'insulte pas le patron, qu'il ne traite pas de connard, j'ai oublié. Ah, mais je suis désolé, Vévère, mais moi, Sylvain m'a déjà parlé de sa cuisine, ça fait au moins 5 ans. Cuisine. La cuisine, c'est tout équipé, là. La mon balpa. Elle est bien. La Kit Carson. La Kit Carson, avec les portes en saloon. Allez, on y va. Mais il s'écrasait 20 mètres plus bas, le malheureux. Il s'écrasait. Oh non. Avec les liaisons douteuses. Mais il s'écrasait 20 mètres plus bas, le pauvre. Mais ça... Et ça n'a rien à voir avec le jour où je l'ai sorti de sa voiture en... Oh merde, ça y est. Putain, Bruno, t'es nerf, nom de Dieu. Qui va me mettre un coup de batte? À l'aide, il criait, à l'aide. Oh non. Mais il est inspiré aussi. Oui, oui, bien sûr. Mais le problème de Jean-Claude Divan, c'est qu'il change de texte à chaque fois. Donc à chaque fois, au moment où tu prends le sérieux, eh ben tu vas aller. Mais moi, mais j'y suis, moi. Mais oui, tu y es. Ouais. Ah. Tu veux, je t'enferme tout à l'heure, tu vois si j'y suis aussi. Combien de fois tu vas faire des entrées, des sorties? Pourri, va. Mais tu y es, c'est vraiment... À l'aide, hurlait-il, à l'aide. Ça tourne, silence. Ah. Offert par des travailleurs polonais, tout en acier polonais, avec écrit en ponelé, mon ponelé. Mais t'es victime du grand banditisme, toi. On a un beau stylo tout en acier polonais avec... Un beau stylo. Le petit bonhomme en mousse. La 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 la. J'ai perdu mon jeu de baguette. J'ai... Jean-Claude, il est bien tombé là. C'était bidon, hein. C'était bidon, hein. J'ai vu partir, je me suis dit non, tombe pas, ça vaut pas la peine. Combien de fois t'as menacé d'en faire un petit gris-gris? Un petit gris-gris. Bon, combien de fois tu l'as menacé d'en faire un petit Grégory? Grégory, je l'ai pas. Hein, combien de fois t'as menacé d'en faire un petit Grégory? Ça va aller. Ça tourne, silence. Tiens, je vais chercher Bruno. Bruno, tu veux le peur à ma place? Bonjour. Salut, c'est Bruno, toi, Bruno. Solo. Vous allez voir, ça va filer autrement. Pardon. Combien de fois t'as menacé d'en faire un petit Grégory? Hein? Il s'est... T'es enculé, là. Espèce de pourri, va. Quand je l'ai, tu vas te marrer. Putain, je l'ai dit, là. Oui. Combien de fois t'as menacé d'en faire un petit Grégory? Ça restera entre nous, hein. Oui. T'en parles pas, hein. On dira rien à personne. On parlera pas de ce Grégoire, là. Oui, mais enfin, vous savez, c'est... Retrouvez-le. Rebusquez les terres s'il le faut, mais retrouvez-le. D'accord. Chimier de lapin. Oui, je vais faire mon possible. Il m'a fait peur. Oui. Oui, dis donc, hey, on s'entendait. Chacun son tour. Enculé, putain. Jamais ça m'arrive, jamais. C'est un spécialiste, il s'est tiré en Argentine après avoir fait son coup. Jean-Claude, qu'est-ce que c'est, quoi, ça? Mais je fais vivre l'entreprise. Mais tu fais vivre mes couilles. Je fais vivre l'entreprise, allez, ta gueule. Allez. Faut très bien croiser quelqu'un qui est là-bas. Mais oui, bon, enfin bon, ouais. Si on le voit pas, quel intérêt? C'est bourré. Pauvre garçon. Bon, moi, de mon côté, c'est vrai que j'avais promis une cuisine équipée à Véro. La série Rio Péro. Oh non. Je le sentais venir, il est venu, il était là déjà. Et au fur et à mesure, s'il est pour vous qu'on termine à temps. Et à Rio Péro, s'il était là, c'était trop tard. Salut Sylvain. C'est bon les filles. Et tout nu, ça t'aimerait grave, non? Tu m'as fait peur! T'as vraiment eu un coup! Tu m'as mis un coup! Mais c'est pas grave, fallait le jouer! Ah non, on répète ici! Marc, c'est pas mal! Mais c'est vachement net! Bah, on pouvait pas faire moins, hein, quand même, que de le faire! Hein. Alors, on nous a permis de répéter ici ce soir!
Et là, ça va partir en sucette, mon pote. T'as impressionné, la petite, t'as vu? Ouais. Hein, je l'ai senti. Elle a jamais vu d'instrument? Merde, 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 hein, pour ce soir. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Salut, non. Les artistes! Quoi? Non, Jean-Claude, tiens, un truc qu'on dégrouille. J'en ai fait pas mal dans ma jeunesse, j'ai joué dans ma jeunesse. Ma jeunesse, dis. Oh, dis donc, tu vas bien, là. Mais il sait même pas se brancher. Oh, les tocards, putain. Allez. Bon, allez, merde pour ce soir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 c'est un truc qu'on dit aux musiciens. Bon, enfin, là, c'est pour fêter la fin dans le monde, alors. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, là? Non, 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 elle a dit merde. C'est un truc qu'on dit aux musiciens. Bon, merde, putain. Je crois qu'on va prendre la précédente. Ouais, allez. On va jamais y arriver. Tout d'un coup, je vois la voiture du boss qui arrive avec André dedans et à côté. Oui. Joby, Joba, taquetakatakatikama, Joby, Joby, putain. Enfin, je m'étais gâché là pour photographier les oiseaux. Mais qu'est-ce que t'as fait là? Elle s'est curé le nez? Oui. Oh bon, alors, fais-le, c'est très bon. Pardon, pardon. Bon, bref, de toute façon, le problème n'est pas là. Qu'est-ce que je vois arriver? Claude, avec. Je connais pas un Claude dans ma vie. Pas un, mais j'en connais pas un. Je connais pas une Claude, je connais pas un Claude. J'ai aucun cousin, aucun copain qui s'appelle Claude, mais voilà. Je vais arrêter Claude. Ça va pas tout le monde, ça, hein? Non. Moi, ça me va. Mais toi, ça te va bien. Je m'appelle Eddie. Für Deutschland und Speer. Und der Schlein, der Meer. Und der Sinn, Eddie. Quoi? J'ai un peu honte, c'est ma femme, quand même. Du dos. Bon. Ça tue, ça. Du temps pour moi. Allez, on y va. C'est pour sauver notre couple que je fais ça, hein? Oui. Je l'ai pris dans le grand Jean-Guy, ça. Oui. Action. Oh, putain, putain. Allez. Oh, mais tu sais que t'es un grand malade, hein. Ton aigle. Tu veux danser, c'est ça? Non mais attends, déconne pas, et on a encore deux sketchs à faire derrière. Action. Non, ça y est là. Bon allez, on y va. Non, il vend. Je veux pas. L'homme de Rio, 1960. Ouais. 4. Oh non, j'étais avant. C'était où? Ouais, je donnais, c'était au Mont-Saint-Michel, à cet endroit où poétiquement on dit que la vitesse de la. À cet endroit où poétiquement on dit que la marée remonte à la vitesse de mon galop. Poétiquement on dit que c'est. C'est étrange, mais ce matin quand je suis arrivé au travail. C'est étrange, mais. Bon, allez, je me calme. Allez. Ce matin, lorsque je suis arrivé au. La vitesse remonte à la vitesse. La vitesse. La vitesse remonte à la vitesse. La mer remonte là-bas comme la vitesse d'un cheval au galop. Allez. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez. La dernière. On dit que la mer la remonte. Merde! Putain! C'est un endroit où la mer remonte à la vitesse d'un cheval au galop. Dans un endroit où poétiquement on dit que la mer remonte comme à la vitesse d'un cheval au galop. Mais qu'est-ce que je fais, putain? Bon, écoute, faites votre sketch, je le referai après parce que je sais pas, mais j'ai l'impression que je vais m'évanouir tellement. Il est encore là, celui-là? Ça va, Jeanne? Oh putain! Oh, la petite vautrasse! T'as pas fait mal? Oh, je me suis explosé le genou, non mais ça va. Bon, tout de suite le ralenti.
Bah oui, viens voir, on le ralentit. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu jarries, là? Pourquoi tu... Qu'est-ce que tu dis, tu jarries? Arrête, c'est bon, calme-toi, Jean-Claude, grave pas donc. Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang, on se ressemble sang pour sang. Bon enculé. Alors, on a rechargé les piles, Annie. Alors, Annie, on a rechargé les piles. Rien. Oh, alors on a rechargé les piles, Annie. Oui, Annie. Annie. Oui. Il reste. Oh, venez, venez. Oui. Annie. Oh, oui. Oh, oui. Ah bah ça va. Ce serait pas ça. Mais non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Regarde, hey. On dirait les sœurs Gwenec. Mi, mais allez avec moi, Jean-Claude. Comment tu fais? C'est toi le breton. Hervé, t'y crois, toi, ces histoires des mecs qui disent qu'ils vont chercher une cartouche de clope et qui reviennent jamais? Tu vas remettre une pièce, d'accord? 1, 2, 3. Ah bah ouais, attends, ça c'est du nain, hein. Sens-moi ça. Oh. Ah non, c'est pas du nain, ça. Et qui vomit dans sa pompe. Ça, c'est pas du nain? Ça sent pas le nain, peut-être? Non, c'est pas du nain, ça, c'est de la vache. Ça sent pas le nain, ça? Non, c'est pas du... Oh là là là, là. Allez, ouais, c'est des souvenirs d'enfance. Et ouais. Quand on pétait dans les pompes. Ça, c'est pas du dingue. Non, c'est pas du dingue. Ça, c'est pas du dingue, ça. Non, c'est pas du dingue. Oh bah ouais, mais tu vas le faire une fois, hein. Allez. Quoi, Johnny, quoi? Il est mort. Oh non, c'est pas vrai, mon Dieu, épargnez-le. Prenez ma vie, mais épargnez-le. Tu fais pas la photo, enculé. Enculé, tu fais pas la photo. Il est mort. Oh mon Dieu, non. Oh non. Enculé, putain. Tu me mets un mec. Mais t'es tombé super trop tôt, là. T'es tombé super tôt. T'as dû te faire mal, là, non? Ça va. Oh, prenez ma vie, mais épargnez-le, s'il vous plaît. Non, pas jeudi. Oh, enculé. Il était fermé, ce con. C'est pas du dingue. Ça, c'est pas du dingue, ça, peut-être. Non. Ça, c'est pas du dingue. Un fumier, là. Ah, oh, putain. Ça sent pas du dingue, ça. Hein? Ça sent pas du dingue. En vrai, c'est pas mal, hein. C'est pas du... Ah, non. Allez, on y va. Ah non, quand ça pique comme ça, c'est pas du tout. C'est bon, hein? Ça sent pas du dingue, ça. Non, ça passe. Oh, là, ça sent... Allez. Allez, quoi? Eh ben alors, tu voudrais que tu me parles de ton camping-car? Bah non. Mais si. Mais si, non, alors mais non, bon? Tu dis, bah allez, prends-en un. C'est ce qui serait un bon geste, c'est d'en prendre un, et moi je te dis... Tu as raison. Hein? Tu as raison. Ma mauvaise foi me perdra. J'aime bien ta coupe, toi. Faut pas que tu m'emmerdes non plus. Hein. En ce moment, on est en pleine négociation sur la RTT avec Jean-Guy, et il est pas à prendre avec des pincettes. De toute façon, je l'aurais jamais pris. Alors? Moi, je vais m'arranger pour tirer mon plan, et puis voilà. Mais tu sais le remplir autrement, sans tout seul? Bah je ne sais pas si... Je n'ai pas facile non plus avec les formulaires, hein. Ça tourne, silence, action.
Cap. Voilà, elle est bien celle-là. Elle est plutôt bien carrossée, sa gonzesse, non? Et toi, il rentre, t'as des morts. Que nao. Vous les avez. Tiens, on finit. On va t'éclater l'oignon. On va t'éclater l'oignon. On va t'éclater l'oignon. On va t'éclater l'oignon. Qu'est-ce que tu fais, Maëva, là? De toute façon, ça manque de... Dis-moi, c'est pas toi qui serais rentré avec Nancy, des fois, hier soir? Enfin, c'est pas possible, sinon je l'ai vu, il était fumé comme un saumon, et Nancy, elle avait picolé, remarque aussi. Mais qu'il y a quand même des lois dans la nature, hein? Alors qu'il flirtouille avec Maëva, moi je veux bien, mais qu'il... Parce que quand même, dans la nature, il y a des lois qu'il faut savoir respecter. Alors qu'ils sortent avec Nancy, je veux bien. Mais autant que tu me le fasses, putain. Et moi, escroc, je pensais à un truc, là. Vas-y, pense-le bien, pense-le putain, bien. Putain, j'en ai marre. Allez, 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 Bruno, on y va. Oui, dis donc. Allez. Écoutez, bonbon, ce petit pot, là, même au direct chez le... Ah, ça s'ouvre pas automatiquement? On va t'éclater l'oignon. Ah! Ah! Allez, putain! Silence! 3, 4. Ah! On va t'éclater l'oignon! Bon, ça suffit maintenant, hein! C'est sérieux! Qu'est-ce que tu fais? Oh non! Mais excuse-moi, putain! Il le met là sur la tête! J'aime pas te mettre devant le fil, hein. Chut! Ça me tourne! Bah, t'en s'en fous. Et moi, regarde. Merde! J'en ai parlé au DRH, ça lui pose pas de problème cette année. Cette année, je la fais pas. Tu fais pas la fête des nerfs? Je fais pas la fête des nerfs. Tu fais pas la fête des mères. Non, un enfant, ça rigole pas, ça te hurle dans les oreilles, Jean-Claude. Et pourquoi tu ris, crétin? Parce que c'est drôle. Mais ouais, c'est vrai. Attends, ça sent la vieille soupe, je te jure. Jean-Claude. Quoi? Je ris pas. Ça sent le bon. C'est clair que... Attends deux secondes. Attends, il y a ton déo qui t'a lâché il y a 5 minutes, là. Hein. Moi, je suis ravi que ça te fasse rire, hein. C'est une infection, hein. Merci, Fred. Je viens pour... J'ai pas besoin de ça, moi. Mais t'es mal... Bruno. Oh, Hervé. Oh, oulala. Oh, c'était bien, le Bruno, là. Ah oh, oui. Tu vas me la copier, celle-là, enculé. Le Bruno, en direct, quand je fais ma chute sur le dos. Toutes les petites boules, là, ça te régule l'énergie du corps. Et je me suis dit, tiens, bah ça va faire pour... Dehors. Je suis désolé. Alors, il est où cet enculé de Francis Nival? Alors, il est où ton putain de RH? Visiblement, vous auriez sacrément besoin d'un vigile à l'étage. Mais il rit, c'est D-R-A. Tu bandes? Non, si, tu je suis sans quéquette. Ah, ça, pour péter, il est très très fort. À la commande, hein, Yvan. Yvan, mais putain, t'as mangé un mort ou quoi? J'ai rien, moi. T'as pété, là, non? Hein? Bonjour. Ça va, Hervé? Oui, t'as toujours pour jeudi? Ah oui, bien sûr, oui, bon, tout à fait. C'est important, hein? Oui. Ah non, mais c'est pas possible, jeudi. Et pourquoi c'est pas possible? Il est con.
Il nous gâche le sketch. Il est pas fini ce sketch. Il est pas fini. Il est pas fini, ouais, ouais. Il est pas fini, tu vois. Il va nous emmener jusqu'au bout de la vie, tu vas voir. Celui-là jusqu'au bout de la night. Dis-moi, ce soir, demain, en fait, demain, écoute bien ce que je vais te dire, demain. Il est pas fini ce sketch. Il est pas fini ce sketch. Je suis dedans, moi, je suis dedans. Allez, pourquoi tu joues pas gardien? Quoi, tu veux me prendre la place de... Hein? Mais pourquoi tu t'arrêtes? C'est dommage, on l'avait! Jamais. Et dis-moi, demain, pour le sexe, bah écoute, t'as qu'à tirer ma sœur, elle est sur place et tout, elle est cool, elle est en régie, là. Allez, vas-y. Allez. Parce que, bah, on déconne. Comment il va, notre petit gardien? Je le chouchoute. Ouais. Je m'occupe bien de lui, tu parles, il me parle pareil. Me fais plus jamais un ouais. Pourquoi? Parce que tu vas faire ouais. On aurait dit un film de cul, je te jure. Et allez, on refait. Oh, le ouais. Toutes les excuses. C'est bon. Non, je te jure, t'étais magnifique là. Ouais. Ou elle dit. Allez, j'irai. Allez, on refait. On n'est pas parti. Un cours secret? Ok, on fait break. Ouais, j'y sais, je crois que t'as marché dedans. Oh, dis donc, oui. Eh ben, tu vois, ça me fait plaisir qu'on se reparle. On est amis, j'y sais. J'en mets partout avant de partir. Il y a une drôle d'odeur par ici, hein. Ouais, je crois que c'est JC qui a marché dedans. Ah, bah oui, dis donc, j'ai marché dedans. Ouais. Oh là là. Oh, c'est des Ah, bah ça arrive, hein. Ça me fait plaisir qu'on se reparle. Hein? Bon, restez tous sur place. Il invente des trucs. Eh, hey, ça me fait plaisir qu'on se reparle. On a eu une petite dispute, ça. C'est un café. Hein? Un café, vas-y. Ah bah, bien sûr. Allez, crétin. C'est bien, merci. Mais donc, elle se démène drôlement pour le vieux Robert. Hein? Elle croit qu'il lui manque. Franchement, il était. Hein? Parce que c'était une figure, mais il était pas baisant. Quand tu veux dire qu'il faisait du zèle? Pendant 10 ans, il m'a demandé ma pièce d'identité, mon badge, il comparait. Ah, mais on n'a jamais été trop prudent qu'il faisait, putain. C'est Pitbull. Moi, j'ai connu le dernier, surtout, tu sais. Il y a Ryder. Ah, ouais. Ah, le Pitbull de contrebande. Ah, c'est bien, ça vient bien, ça, en prairie. Ouais. Hein. Ouais. Et sa chèvre. Ta chèvre? Moi, j'ai eu une aventure avec elle. Ah, tu l'as enculé, sa chèvre? Ah, ouais. Dans la guérite, avec amour. Ah, c'est... Ah, là. Non, mais attends, tu vois pas ce qu'elle nous fait, l'autre qui... Jeanne, arrête. Tu vas pas me dire que tu connais pas YouTube. Ah oui, le groupe, là, qu'ils avaient fait un truc, YouTube. C'est bon, tu puisses pas venir. YouTube. Excusez-moi, je me suis emballée. Charol, avant que je parte en Pologne. Merde, je la refais. Charol, je vous cherchais. Je vais partir en Pologne. Je reviens dans un mois. Je t'ai cherché. Oui, bien sûr. Plus fort là-bas. Mon amour, Charol, tu sais quoi? Il m'envoie en Pologne. Il essaie de nous éloigner l'un de l'autre. Je suis ravi que ça te fasse rigoler parce que moi j'ai les boules, mais j'ai trouvé des places pour Herbert Renard. Tu vas jamais y arriver. Vas-y. Ah non. Elle m'aime. Il m'envoie en Pologne. J'y vais, surtout. C'est ce que j'ai. T'es malade ou quoi? On fait pas ça, hein? Quoi? Bon, on fait pas ça, Jean-Claude. Quoi? C'est un problème? Vas-y, vas-y, je te le fous dans la gueule, moi. J'en ai rien à voir. Je te le fous. Mais t'es un malade, tu la mérites, tu le sais. Me touche pas, Jean-Claude. Jean-Claude, les clés de chez mes parents. Jean-Claude, sans déconner, tu la mérites, celle-là. Ne réplique pas, Jean-Claude. Ne me refais jamais. Quoi? Attention, Jean-Claude. Jamais. Attention, je suis délégué du personnel. Voilà, tiens, tu m'as fait affreusement mal. C'est ça que tu me dis, Jean-Claude? Ne refais jamais ça. Je vais te le refaire, Jean-Claude. Me fais pas ça. Je t'ai prêté. Mais attends, je vais te le refaire. C'est comment ça, Thierry? Alors. Tiens, regarde les putes là qui s'engueulent. Vas-y. Bah attends, allô. Oh là là, t'as vu ce que j'ai fait?
J'ai jeté ma pièce et retombé. Ça a été filmé, ça? C'est filmé, ça? Attends, stade 2, samedi, hein. Je le crois pas. Oh putain, deux fois! Ah, et attends, je rentre dans le Guinness, record du monde. Je l'attends encore. Ris pas, donne-moi mes baskets. C'est pas quoi? Connasse. Oui, regarde. C'est qui l'accessoiriste? Ça, là, ça doit... Voilà, là, ça doit descendre, putain. Tu dégages, j'ai une vie hyper rangée, un petit pavillon. Regarde, voilà les photos. Ah oui, d'accord. Voilà les photos, putain. Je ne suis plus un homme libre, c'est pas possible, regarde. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, d'accord. Attends, attends. Trop payé. Attends. Pourquoi j'attends maintenant? Il est revenu? Je l'ai revu en bas de chez moi dans le bistrot. Non, tu rigoles. Je te jure, bon, comment ça? Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Je sais pas. Quoi? Quoi? Attends, j'ai bossé avec les plus grands et tu viens m'interrompre pendant que je joue? Non, mais t'es fou, quoi? Attends, je te rappelle mon nom. C'est comment mon nom déjà? Attends. C'est comment? Tocard. Tout passe, tout lasse, sauf la classe. C'est mon prof de théâtre qui me disait ça. J'ai retenu, hein. Tout passe, tout lasse, sauf la classe. Coupé. Merci, maman. Oui, je t'envoie un gros poutou. Groupe, je te laisse. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un... Oh, maman, t'es la meilleure. Oh, non, t'es la meilleure. Gros poutou, maman, gros poutou. Qu'est-ce qu'il y a? En juillet 86, oui. J'étais à Solide. En juillet 86, j'étais à Solide. Qu'est-ce qu'il y a? En 86. Ouais. J'étais dans les arsenaux polonais, à Polonais. Ouais. Action. Oula. Attends. Oh, viens pas tout de suite. Ah, c'est les arsenaux polonais, là. Solidar. Ah, ça va venir, t'en fais pas. Je me souviens d'une petite salope, dis donc, un boudin, t'étais resté avec elle, le caniche qu'on l'appelait, tu te souviens pas? Sacré les verres, ah, on avait la pêche à l'époque. Bon, allez, ça me gonfle, moi, ça. Ouais, t'as qu'à les tester, putain, t'es... Viens, Yvan, Yvan, j'ai pas fini. Ah, je me suis planté, viens. T'es là, t'es là. Viens, Yvan. Ah. Oh, la violence. Il y a peut-être un début de solution, là. Ouf, passez-moi la rhubarbe, je vous passerai les abricots. Salut les Mimi, salut les amygdales. En venant ici ce soir, il m'est arrivé... Non, mais attends... Ah, j'ai pas pu... En venant ici ce soir, il m'est arrivé... Une courgette, un artichaut... Je t'en mets un petit cocktail fruit de la passion, ma biche. Au bas. Au bas. Amas, amas, amas. Amas, c'est bien. Merde, ça. J'avais pas pensé que ça faisait amas. Le hamas. Et moi qui ai planté des glaïeuls. Hey, les guys, hey, vous... Mais il est dégueulasse, il a déjà servi ou quoi? Mais non, mais c'est une strass de pneus. C'est une strass de pneus. C'est une strass de pneus. Ton camping-car, il consommait plus d'huile que toi de borne au sans-bière. Que toi de bière au sans bornes. Bah oui, mais alors maintenant, il faut que je fasse un choix dans mon budget. Par ici. Plus d'huile que toi de bière au sans bornes. 2000 euros de réparation pour le camping-car, bravo. Hourra. À moi. Ceci dit... Allez, à moi, ma réplique maintenant. Ceci dit... À toi, Bruno. Ton camping-car consommait plus d'huile que toi de bière au sans bornes. Ouais, ceci dit, c'est une épave, hein, ton camping-car. Ça fait moins la blague, hein, c'est vrai. Hein. C'est bon. Une épave. Hein. Allez, on va remettre un peu d'ambiance. Ça y est, je suis parti, moi. Ah, il est revenu, là. Impeccable. Allez. Ouais, ça va. Ah 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 2000 euros de réparation pour le camping-car. C'est maintenant qu'il vient. C'est l'effet qui se coule. C'est l'effet qui se coule, il y a la deuxième couche qui arrive, là. Moi, il faut que je fasse un choix dans mon budget. C'est soit... Asseyez-vous, ça va être long, asseyez-vous, prenez une chaise, prenez-vous une clope, il y a des gâteaux, il y a des mandarines, il y a tout ce qu'il faut pour tenir. On a même des couvertures de survie, il commence à faire froid. C'est le mois de février, il arrive vite, hein. C'est que dans un an. Hein. 2000 euros de réparation pour le camping-car. Mon petit Jean-Mimi,
Évidemment. Évidemment, on nous prend là. Mais bien sûr. Attends. Ça va, Jean-Claude? Bon week-end. Ça va être dur. Ça va être très dur. Ah bah ouais, bah ouais. Il dit que c'est de ma faute. Oh non, écoutez, non. Le truc qui... Le geste qui va pas du tout. Qui aide, vachement. Et qui va pas... Allez, on y va. En vrai, ça m'amuse, je vais le refaire. Ok. Et elle, elle dit que c'est de ma faute. Je gère, je gère. C'est terrible. Ça fait mal un peu. Un petit peu, je vais arrêter alors. Je vais te pincer. Elle dit que c'est de ma faute. Je sais, je sais. Bon, un peu. Et elle, elle dit que c'est de ma faute. Je m'en occupe. C'est vrai que Maëva a déconné comme jamais. Carole, là, je l'ai bien dit, là. Non? Ah, merde, oui, mais t'emballe pas, Bruno, quand t'as bien la réplique, tu vois. Je m'aime trop. Je m'écoute trop. Ah ouais. J'ai fait le plein ce matin. Mais flippe pas, putain! Les femmes aiment entendre ce qu'elles veulent qu'on leur dise. C'était bien ce regard, non? Regard qui veut rien dire. Aime qu'on leur dise, ouais. J'ai eu l'idée du siècle. Tu sais quoi? Les femmes, elles aiment qu'on leur dise ce qu'elles ont envie d'entendre. Il est trop rempli, ce café. Il est rempli ou pas? Pourquoi tu me cognes sur le bras? Connais. Putain, je suis un physique, moi. Les femmes... Elles aiment entendre. Je suis parfaitement serein. Tout à fait calme. En paix avec moi-même. Ok. Action. Moi, j'y vais pas. Attention. Oh. On va pas y aller. C'est bon, il est parti. Ouvrez-lui la porte, ouvrez la porte. Je sais ce que Nancy, elle va vouloir qu'on lui dise. Entendre te dire. Ah ouais? C'est fou, non? Les femmes, elles aiment entendre ce qu'on a envie de leur dire. Les volumes sur ton truc, bah, hein? Doucement, attends, doucement! Quoi? Mais fais boire! Chut. Chapeau bas. C'est dingue. Ça coûte rien d'essayer. Ouais, vas-y, vas-y. Le mieux, c'est chaud le bois. J'en étais sûr. Ça, c'est une petite attaque, alors. Hein. C'est une petite attaque. Toi, t'es grand. C'est bon, ils sont bons, mes croissants. Ils sont, hein. Ouais. Ils sont bons, hein. Ouais. Silence. Ah. Ils sont bons, hein, je les ai achetés chez Ghislaine Tapdur. Je les ai pris chez l'ami Chanfleur. Ah, il va nous faire un vestible. Ils sont bons, hein. Tu les auras pas pris à la miche qui fume, non? Ils sont tout frais, je les ai achetés à la miche. Ils sont tout frais, je les ai achetés à la miche qui fume. T'es sûr que ça fait la différence? Allez, on y va. Je les ai achetés à la miche qui fume. Ah, ils sont tout frais. Ouais, c'est pas de la merde, c'est sûr. Tiens, puisqu'on est dans le sujet, André, il a encore les chiesses, son club. Ouais, bah, va pas me niquer le toucher non plus. C'est le clavier qu'on dit. Non, mais tu crois que je te vois pas, toi? Oui, bah, va. Il faut avouer que ce geste là. C'est de commencer par ça. Oui. Allez, mais on regarde l'écran, on regarde l'écran, on se regarde, on imagine le sketch. Ah bah non, mais Rivan, aide-moi. Bah oui, c'est le seul journal qui a les fesses roses. 1000 euros, ça fait 4 fois le prix de l'ongle. Maloutine. Dis donc, t'en veux une deuxième? Arrête, Jean-Claude. Je sais pas comment. Excuse-moi, je ris. Ah, mais c'est rien, une bonne crêpe de temps en temps, ça fait circuler le sang. Ah ouais, je vois. Tout. Avantage 7. Tout. Je t'en veux une, dis-moi. Hein? Hein?
Et voilà, un partout, la balle au centre. Je fais chier, toi. Quoi? Mais si. Et voilà, un partout, la balle au centre. Pardon. Allez, on la refait. Stop. Mais si. Et voilà, une partout, balle au centre. Tous. Jamais on ne lira de mon vivant un texte rafarkiniste. Ah là, finalement, le petit Micho, il s'en va, et plus. Voilà, la table, on va la changer. Bah, j'ai rien de prévu, dis toujours. Non, mais enfin, c'est pas possible, vivant, quand même. Quoi, allô? Allô? Abandonné. J'y attendais pas. On y retourne. Abandonné, comme un chanteur abandonné. Ooh, yeah. Twist à Saint-Tropez. Facatisi, facati, facatida. Facatisi, facatisi, facatisi. À Saint-Tropez. Facatisi, 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 facatisi. Mais parce que j'ai oublié la porte. Des trucs. C'est beau ce que j'ai rajouté là comme ça. C'est magnifique. C'est super. C'est une très belle intention. J'ai une petite. T'as vu, j'ai une direction. Une petite rien du tout. Mais quand rien, mais quand même. Mais quand même, c'était là. Une demi-molle là, qui commençait à pointer. C'était bien. Ah, c'est cette racaille-là qui va descendre. Hervé, Hervé, les photos. Tout le monde, les photos. Bon, dis donc, ça va, oui. Trop tard, j'ai rattrapé avec le rythme. Je me l'ai niqué. Alors je me résume, un an d'abonnement à Jean-Claude. C'est quand même écrit, hein, souvent on est, c'est écrit, mais bon, je n'arrive pas à le lire. Voilà. Ça a coincé depuis tout à l'heure, je sentais bien qu'il y avait un truc qui m'empêchait de... Trois canevas king size pour Jeanne. Je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Hervé, les photos. Ah, la photo, tu l'auras seulement si tu retires ta candidature pour les élections. Je ne m'en sors pas. Je suis fracamao ou quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, pas avant que tu aies retiré ta candidature pour les élections du CE. Allez. Ah, les photos, tu les récupéreras si tu retires ta candidature pour les élections du CE. Oui, si je refuse. Eh bien, tu auras ta la plus... Ah! Allez, on y retourne. C'est pas possible, mais comment je vais faire? Le cocktail est doit préparer dans trois. C'est bon, toi aussi. C'est grande forme tous les trois aujourd'hui. Ah, putain. Ouais. Allez. Bon, ben ça s'arrange pas, hein. Le traiteur peut pas nous comme... Tu riais déjà. Le traiteur peut pas nous livrer à nouveau, faut commander avec le directeur de la marque. Du fou entier. J'ai une putain de banque creuse, il faut vraiment que j'aille me faire voir là. Le mec il sort un poulet de Bresse. Faut commander avec 24 heures d'avance. Attends, mais c'est pas possible. Vas-y. C'est pas possible, j'arrive pas. Ouais, j'imagine, ouais. Ceci dit, la boxe c'est vrai, mais là c'est les pains qui sont les machins. Bah ouais, je comprends. Ouais. Ceci dit, le sport. Oh, Maëva, tu devrais venir. Hein. Tu sais, c'est terrible hein, comme sport, le ping-pong. Parce que j'ai déjà essayé. Hervé, c'est affreux, j'en joue la plume, il a disparu. Ouais, c'était. Allez, Guichy. Le bruit, là, j'ai l'impression que c'était une vague de U. La plume, il a disparu. Mais c'est possible que là, putain. Oh merde. Oh, je suis désolé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Putain, c'est quand même pas dur comme mot. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est étrange. Il est comment le bruit? Hervé, c'est affreux. Wow. Le Jean-Claude. Hey. Silence. Ah non, mais jamais ils te vireront, hein. Ah bah attends, mais je vais me baiser avec le... On y retourne. Oh,
Ouais, allez. Allez, les gars. Allez, les gars. C'est pas possible, mais comment je vais faire? Le cocktail commence en trois quarts d'heure et j'en... Il faut pas que je vous regarde. Mais ça va s'arranger. Oh, j'espère. Hop. Allez, on y va. Ah. Allez. Bon, on n'est pas prêts là. C'est chiant. On n'est pas prêts là. C'est très bien. Ah, bah voilà, mais je suis bonne pour le chômage, moi, c'est sûr. C'est pas humain, ça, ce qui vient de passer. Ah, j'étais si fatigué, pas. Oh putain. Action. Ah. Ouais, j'en ai repris après. Du gésier. Ah, le gésier, c'est... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais pas. Putain, peut-être qu'Hervé, il est en train d'essayer de se suicider avec la tête dans les barreaux, là. Où est-ce que j'ai mis mon portable? Oh, oh. Tu crois qu'il aurait fait une lettre d'adieu? Le Jean-Claude a plus, mais il a disparu. Il a disparu. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il s'est... Il a disparu. Mais... Oh, il a disparu. Oh non, c'est pas possible. Merci maman, oui maman, gros poutou, groupe, je te laisse. Qu'est-ce qu'il y a? Si, Oh maman, t'es la meilleure. Ah non, t'es la meilleure. Gros poutou, maman, gros poutou. Qu'est-ce qu'il y a? En juillet 86, oui. J'étais à Solidaire. En juillet 86, j'étais à Solidaire. Qu'est-ce qu'il y a? En 86. Ouais. J'étais dans les arsenaux polonais, à Polonais. Ouais. Oula. Attends. Oh, viens pas tout de suite. Ah, c'est les arsenaux polonais, là. Celui-là. Ah, ça va venir, t'en fais pas. Je me souviens d'une petite salope, dis donc, un boudin, t'étais resté avec elle, le caniche qu'on l'appelait. Tu te souviens pas? Elle est verte. Ah, on avait la pêche à l'époque. Bon, allez, ça me gonfle, moi, ça. Ouais, t'as qu'à aller tester tout seul, t'es... Viens, Yvan. Yvan, j'ai pas fini. Non. Je me suis planté, viens. T'es là, t'es là. Viens, Yvan. Oh, la violence. Il y a peut-être un début de solution, là. Ouf, passez-moi la rhubarbe, je vous passerai les abricots. Salut les Mimi, salut les amygdales. En venant ici ce soir, il m'est arrivé... Non mais attends. Ah, j'ai pas pu. En venant ici ce soir, il m'est arrivé... Une courgette, un artichaut. Je t'en mets un petit cocktail fruit de la passion, ma biche. Au bas. Au bas. Amas, amas, amas. Amas, c'est bien. Merde, ça. J'avais pas pensé que ça faisait amas. Le hamas. Et moi qui ai planté des glaïeuls. Hey, les guys. Mais il est dégueulasse, il a déjà servi ou quoi? Mais non, mais c'est une strass de pneus. C'est une strass de pneus. C'est une strass de pneus. Ton camping-car, il consommait plus d'huile que toi de borne sans bière. Que toi de bière au sans borne. Bah oui, mais alors maintenant, il faut que je fasse un choix dans mon but. Par ici. Plus d'huile que toi de bière au sans borne. 2000 euros de réparation pour le camping-car, bravo. Ouah. À moi. Ceci dit... Allez, à moi, ma réplique maintenant. Ceci dit... À toi, Bruno. Ton camping-car consommait plus d'huile que toi de bière au sans borne. Ouais, ceci dit, c'est une épave, hein, ton camping-car. Ça fait moins la blague, hein, c'est vrai. Hein. C'est bon. Une épave. Hein. Allez, on va remettre un peu d'ambiance. Ça y est, je suis parti, moi. Ah, il est revenu, là. Pff, impeccable. Allez. Ouais, ça va.
2000 euros de réparation pour le camping-car. C'est maintenant qu'il vient. C'est l'effet qui se coule. C'est l'effet qui se coule, il y a la deuxième couche qui arrive là. Ouais, faut que je fasse un choix dans mon budget. C'est soit... J'étais sûr, je l'ai pas. Oh putain. Action. Ah. Ouais, j'en ai repris après. Du gésier. Ah, le gésier, c'est... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais pas. Putain, peut-être qu'Hervé, il est en train d'essayer de se suicider avec la tête dans les barreaux, là. Où est-ce que j'ai mis mon portable? Oh, oh. Tu crois qu'il aurait fait une lettre d'adieu? Le Jean-Claude a plus, mais il a disparu. Il a disparu. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il s'est... Il a disparu! Mais. Oh, il a disparu! Oh non, c'est pas possible!